Bonjour les amis, je suis ici dans le nord de Tenerife à Bajamar. Donc nous sommes début février 2021. Il y a de la neige sur le Teide, c'est magnifique, c'est très beau. Et d'un autre côté, ici en bas, au niveau de la mer, on peut aller nager dans les piscines naturelles comme ici derrière moi. Donc c'est la magie de Tenerife, c'est fantastique donc de vivre ici à Tenerife. En hiver, en été, on a toujours un climat extraordinaire ici. Si vous en avez marre, vous, d'être enfermé dans un bureau avec la grisaille du nord de la France ou de la Belgique, Belgique pays de mon enfance et de ma jeunesse. Enfin, je suis venu ici à Tenerife lorsque j'avais 35 ans. Donc j'ai décidé avec mon épouse de venir ici parce que c'était son rêve à elle. Elle avait vécu ici quand elle était enfant et elle avait toujours dit qu'elle voudrait revenir vivre ici. Et donc on a réalisé ce rêve il y a 25 ans. Donc c'est clair qu'entre vivre entre quatre murs et pouvoir sortir quand on veut ici à Tenerife, c'est une différence, c'est une qualité de vie incroyable. Tenerife qui est un endroit fantastique en Europe, on n'est pas loin de la France, on n'est pas loin de la Belgique, 3-4 heures d'avion. Et un climat qui est pour beaucoup de personnes le meilleur climat du monde, un niveau de vie élevé sans avoir des coûts prohibitifs comme d'autres régions du monde. Donc ici on fait partie de l'Espagne, les îles Canaries, donc Tenerife, sont un endroit donc entre l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. On est au milieu de l'Atlantique mais on est vraiment au paradis, je dirais. Donc si vous voulez travailler à Tenerife, ben, le mieux c'est de faire un business sur Internet comme moi je fais. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent ici faire du télétravail à Tenerife parce qu'on a de très bonnes infrastructures, on a donc la fibre rapide, 1 giga de transfert sur la fibre. On a l'immobilier, je travaille dans l'immobilier aussi, qui a des prix raisonnables. Donc on a beaucoup d'avantages ici, la nourriture est bonne, c'est pas cher, on peut aller dans un restaurant, dans un bar à des prix vraiment sans concurrence avec la Belgique et la France, et actuellement donc les bars, les restaurants sont ouverts ici. Donc on est en train de revenir, on va arriver au niveau vert, donc c'est-à-dire que les Canaries, il n'y aura plus de problème dû au confinement et tous les problèmes que vous rencontrez en France. Ici à Tenerife, vraiment on est en train d'arriver à la situation d'avant. Donc c'est vraiment très agréable de vivre ici. Si vous cherchez un endroit pour venir en vacances ou venir passer 6 mois de l'année, ben c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de retraités qui font ça parce que d'une part, ben, en hiver, vous voyez comment on s'habille. Il y a plus de 20 degrés ici. Et en plus de ça, donc, vous n'avez pas de frais de chauffage importants. Ici dans le nord, on met de temps en temps un petit peu de chauffage mais en hiver, mais ce n'est pas indispensable. Il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas de chauffage. Donc ça vous fait une fameuse économie sur vos factures annuelles. Et vous voyez, donc le soleil, c'est très bon pour la santé, les vitamines qu'on prend avec le soleil. Donc on a des tas d'avantages ici, on peut aller se baigner comme vous voyez toute l'année ici dans la mer, piscine naturelle derrière moi. Donc ça a beaucoup beaucoup d'avantages, les gens sont gentils ici, tout est calme. Donc si vous cherchez un endroit pour travailler, eh bien je pense que Tenerife, si vous faites du business sur Internet, Tenerife est certainement un endroit auquel vous devriez songer. Il y a beaucoup de locations Airbnb dont vous pouvez venir ici parce qu'actuellement il y a encore beaucoup d'hôtels qui sont fermés, mais vous trouverez pas mal de locations court terme ici, donc ça vaut la peine si vous pouvez venir ici quelques jours de sonder. On fait le tour de l'île en 3 heures en voiture, on a des bonnes infrastructures routières, donc ça vaut vraiment la peine de venir ici. Et si vous voulez investir dans l'immobilier, ben c'est également très intéressant. J'ai une chaîne YouTube qui parle de l'immobilier aussi, donc je suis également agent immobilier ici à Tenerife et je peux vous aider à trouver ce qui vous intéresse, soit pour un placement, ça vous rapporte entre 5 et 10% par an pour un bon placement immobilier,
Et vous pouvez également faire de la location saisonnière, donc à court terme, ce qui vous permet à ce moment-là de profiter de votre appartement quand vous souhaitez venir. Et c'est un placement bien sûr intéressant aussi parce qu'actuellement, laisser son argent à la banque, ça n'a pas beaucoup de sens. Vous perdez de l'argent quand vous laissez votre argent à la banque. Donc je pense que ça vaut la peine de venir placer votre argent à Tenerife. Donc pour tout ça, vous pouvez me contacter. Et si vous voulez faire un business sur Internet, j'ai des formations également à ce sujet. Vous trouverez des liens sous ma vidéo. Moi, je fais du business sur Internet depuis 15 ans. Je vis très bien de ça et je peux profiter, bien sûr, quand je veux, de la plage, du soleil ici à Tenerife. Mon business Internet tourne tout seul, donc je peux travailler quand je veux. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Le télétravail, les commerces, faire des sites web, tout ça, je connais et je peux vous conseiller à ce niveau-là. Mais songez quand même que Tenerife, c'est un endroit formidable pour y vivre et pour développer ce type de business. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo. Un pouce vers le haut, partagez ma vidéo, ça me fera plaisir, ça m'encouragera à en faire d'autres. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ma part, donc qui vous parlent de Tenerife. Cliquez sur la petite cloche, vous recevrez un avis quand je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vais vous faire quelques prises de vue ici derrière des piscines et de l'environnement ici à Bacamar dans le nord de Tenerife. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.